Johnson. J'étais dans les années 60-70, je suis à la retraite actuellement, hein. Professeur en Tunisie. 01 45 24 7000. Et aucune de mes élèves filles n'a jamais eu de voile. Au téléphone sonne ce soir. Laïcité, signe religieux, faut-il légiférer? Je disais qu'il y a quelques années, on a eu le débat sur l'excision. Fallait-il punir pénalement des gens dont c'était la coutume et en gros, c'était pas de leur faute? Mais j'aimerais aussi qu'on parle des filles qui le portent pas et qui subissent aussi ces pressions. Dans mon école, il n'y a jamais eu, ajoute Denise, d'étoile jaune. La laïcité ne le permettait pas. C'est quelque chose qui contrevient à l'idéal de la République laïque. Ce que je voudrais rappeler, c'est que dans cette affaire, il ne s'agit pas simplement de traiter le problème du voile islamique. Le conseil de discipline du lycée Henri Vallon d'Aubervilliers a voté dans la nuit l'exclusion définitive d'Alma et de Lila Lévy. Le conseil de discipline du lycée Henri Vallon d'Aubervilliers a finalement exclu définitivement de l'établissement Alma et Lila Lévy. Bas les voiles, ben, je crois qu'on a compris au cours de cette émission, vous êtes quelqu'un de très sincère. C'est un livre très fort, très sincère, d'ailleurs, qui est en tête des listes de best-sellers. Et quand je parle des signes religieux... Alors, vous êtes pour la blouse grise, vous? Et quand vous êtes pour la blouse grise? Je trouve que c'était pas si mal. Certes, mais il y a d'autres personnes qui vont parfois un peu trop loin, comme oui. Par exemple ton ministre délégué, Xavier Darcos. Ah non, pitié. Pas essayer de m'opposer à Xavier. Non, enfin, mais j'écoute. De t'opposer, tu peux abonder dans son sens. Il a déclaré au sujet des élèves voilés, si on n'aime pas la République française, faut aller ailleurs. C'est une bonne remarque, excusez-moi, de David, ça s'adresse sans doute à vous, Jamila. Les jeunes filles refusent de retirer leur voile dans les écoles laïques, d'accord. Mais comment réagirait-elle si nous, on entrait dans des mosquées en gardant nos chaussures? Et là, par exemple, ce qu'elle a sur la tête, c'est réglementaire? Ce qu'elle a en Algérie? Alors, c'est un peu large. Il y a le string, il y a l'uniforme, il y a le foulard. Alors, il y a même des gens qui proposent qu'on mette plutôt le string dans les cheveux et le tchador ailleurs. Pour moi, c'est inacceptable. Là. Vous allez lui demander de le retirer? Oui. Ouais. S'il vous plaît, les autres sont témoins. Est-ce que Anan, avec cette épaisseur de bandeau, j'accepterai Anan aujourd'hui comme ça? J'ai vu le proviseur en bas, je me Anan, c'est non. Il m'a dit oui. Anan, on ne discute pas, c'est je suis non. Désolée, madame. Non, je suis et désolée. Non. C'est pas un signe religion, c'est un symbole d'oppression fait aux femmes. À l'extérieur, il y a des millions de femmes qui veulent retirer le voile. Il y a des millions de femmes. La dernière, Shirin Ebadi, le prix Nobel de la paix en Iran. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle se bat? Aujourd'hui, c'est parce qu'en tant que femme, elle ne pouvait pas exercer le métier d'avocat. Alors, man mo'taqed be azadi hastam. Je suis pour la liberté et je pense que la liberté de choisir son vêtement, c'est une des libertés basiques. Zendegi konan va asuy digar. Je pense que interdire de porter le voile à l'école, ça empêchera plein de jeunes filles de continuer d'étudier. Et si ces femmes, par leur choix personnel, voudront être à poil? Là, ici, moi, je voudrais être à poil, c'est mon choix personnel. Ai-je le droit? C'est de la provocation, ça. Non. Ce que nous dénonçons, c'est la provocation. Là, on vous sent effectivement un petit peu dans une décision de provocation. Un certain nombre de pratiques, de prosélytisme et de militantisme islamique qui se cachent derrière le voile. Vous faites partie de la nouvelle génération d'islamophobes? Islamophobe, j'adore cette expression. Moi, je suis un peu islamophobe. L'islam, je ne dis pas l'islamisme, l'islam est en train, en France, de pénétrer avec des troupes. Je ne suis pas le seul dans ce pays à en penser que l'islam, je dis bien l'islam, je ne parle même pas des islamistes, en tant que religion, apporte une débilité d'archaïsme divers. Il n'y a pas de discussion possible. La laïcité, elle est une. Je le dis en toutes circonstances. Aujourd'hui, il faut ce dialogue-là. Et s'il faut en arriver là. Il faut retirer le voile. Est-ce que c'est ce que vous dites? Les filles veulent pouvoir se balader dans la rue sans être emmerdées et ne pas subir les tournantes sous prétexte qu'elles n'ont pas de voile. La commission n'est absolument pas focalisée sur le voile. C'est essentiellement la presse qui en parle beaucoup. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité, c'est vrai, le voile dans son outil politique de conquête des esprits et la kippa qui est une référence à Dieu. Si on laisse faire, je crois qu'on ne s'en sortira pas. J'estime que le port de tenue ou de signe qui manifeste ostensiblement l'appartenance religieuse
doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. L'Assemblée a voté massivement la loi contre les signes religieux à l'école. 494 voix pour, 36 voix contre. Le texte entrera en vigueur à l'automne 2004. Je les ai suivis et même subis, c'est moi. Je pense que j'ai vu pendant tous ces mois-là, mais toutes mes, je dirais, mes amies musulmanes voilées ou non, et même dans mon entourage, des personnes musulmanes ou non, se rendre compte qu'il y avait vraiment, se rendre compte qu'il y avait une montée du racisme. Il y a du racisme et il y en a toujours eu, mais du moins le ressentir à ce point-là. Je vois à la télé ce qu'on montre, ou ce que les gens disent, ou ce qui se passe dans ce qu'ils disent dans les journaux, et que moi je vois ces filles-là tous les jours. Je reste comme ça, je me dis non, il y a un problème. J'étais je prenais le métro, et il y a une dame qui me regardait, donc je sentais qu'elle avait envie de me dire quelque chose, j'attendais. Et elle me regarde, elle me dit, mais vous me faites pitié. Ça a mis de la colère. Moi, c'était un seul débat avec ma famille. Les autres, j'ai pas pu rester avec eux. Ça a divisé les familles, faut pas croire. Ça a enragé les gens les uns contre les autres. Ça a fait des conflits familiaux, des conflits dans les quartiers, des conflits dans les établissements. Ça fait des conflits à tous les niveaux. On nous parlait de l'Afghanistan, on nous parlait de l'Algérie, on nous parlait des trucs. Mais moi qui porte le voile, je trouvais ça insensé. On nous parlait pas, on nous montrait pas nous. On nous donnait pas la parole. Alors on entendait justement. Un écrivain iranien parlait de l'Iran, ça n'a rien à voir avec nous. Moi, je suis citoyenne, je suis française. Donc la première affaire donc, date de 1989, donc sur Creil. Donc elle touchait deux collégiennes, ou du moins ça ne touchait pas d'abord des collégiennes, ça touchait en fait une affaire de kippa au départ, et ça a vite viré en fait du côté de jeunes filles qui étaient également présentes dans l'établissement. Avec leur foulard, donc ça a tout de suite été médiatisé. Je crois que cette affaire a été fabriquée de manière à casser une dynamique qui commençait à s'instaurer dans les quartiers, etc. Il y avait toute une génération en fait de Français d'origine maghrébine, comme on les appelle, qui commençaient un petit peu à se réconcilier entre guillemets avec leur islam. Un proviseur refuse d'inscrire des élèves parce qu'elles portent un foulard. Les médias arrivent, manifeste d'intellectuels autour de Régis Debray dans le Nouvel Observateur qui parle de capitulation de l'école laïque si on accepte ses élèves et de Munich de l'école républicaine. Donc voilà un petit peu le registre dans lequel les choses ont été lancées. Il y avait aussi une prise de conscience que les préoccupations qui touchaient les habitants des quartiers n'étaient pas les bienvenues dans les sphères politiques haut placées, qu'on a voulu casser un certain mouvement. Et donc à tous les niveaux, du média le plus populaire au monde académique, à la classe politique, on peut effectivement dater cette période comme une période de durcissement et de réaction. Et on arrive à 90-91, il y aura la guerre du Golfe qui viendra se greffer là, mais c'est la période, en termes de déclaration, 89, c'est là que Mitterrand parle de seuil de tolérance dépassé. En 90-91, c'est là que Giscard d'Estaing parle d'invasion, dit qu'on n'est plus dans une problématique d'immigration, mais d'invasion. C'est là que Jacques Chirac parle du bruit, de l'odeur, de la préférence nationale, d'une overdose d'immigrés, etc., etc. Au moment de cet avis donc, rendu par le Conseil d'État en novembre 89, c'était clair, la jeune fille ne pouvait pas être exclue pour le seul motif de son foulard. Le fait qu'un enfant arrive avec un foulard ne doit pas être un motif pour l'exclure ou pour ne pas l'accepter à l'école. Ça me paraît être le principe fondamental. On accueille d'abord l'enfant. Ce qui se passe à partir de ce moment-là, c'est que déjà le corps enseignant se distingue par une dureté ou une attitude offensive, agressive, particulière, avec localement, pas très couramment non plus, hein. Dans la plupart des établissements où ces foulards apparaissent, ça n'arrive pas forcément, mais dans quelques établissements, ça arrive régulièrement, une fois par an, deux fois par an, des affaires où des enseignants
se braquent contre un foulard. Moi, ça me fait bien rigoler quand on parle des lois de la République, de la norme, de la loi qui civilise, etc. Parce que le modèle que donne le corps enseignant dans ces affaires-là, c'est le contraire. C'est le modèle de la loi de la jungle. On a le droit positif contre nous, mais on passe en force. Et on sait qu'au moins, il y a le temps de latence de l'appel qui fait que de toute façon, elle est virée de l'établissement. De toute façon, ça prend du temps avant d'être examinée. De toute façon, elle perd une année. Et en tout état de cause, quand elle aura gagné et que l'annulation sera cassée, elle n'aura tout sauf envie de revenir dans cet établissement et on aura gagné. On se sera débarrassé d'elle. Après, en 93, on a eu une vague, en fait. C'était une explosion, en fait, 93-94. On a vu une explosion en fait, de jeunes filles qui ont été exclues. Dans les années 90, avec la circulaire Bayrou, ce que j'entendais moi, des proviseurs, c'était l'Algérie. Quoi. C'était, voilà, on ne peut pas accepter ce symbole car c'est un lien avec l'Algérie. Hanifa Chérifi, au départ, dressait le portrait de ces jeunes filles en disant que c'était une espèce de cafard, une espèce d'espèce à éradiquer. Il ne fallait pas laisser l'intégrisme rentrer dans les écoles. On avait un discours très très dur. On avait certains syndicats de profs qui mettaient la pression. On avait le sentiment qu'ils étaient les nouveaux croisés, nous étions les nouveaux sarrasins. On était revenus dans une espèce de guerre de religion. L'attitude des profs, elle était très très, très agressive vraiment j'ai vraiment vécu ça mais très lourdement, ça a été très pesant. Et justement quand je suis rentrée au lycée après, étant donné que la décision a été prise, c'était dans un autre établissement. Pendant un mois aussi j'ai été ballottée d'une classe à l'autre, j'ai pas pu aller à l'école. Ça veut dire qu'on a mis en marge de la société des enfants. On leur imputait de leurs droits fondamentaux. Et ça ne gêne personne. Parce qu'on a placé le débat de manière tellement abstraite qu'on a le sentiment que de combat des foulards et non pas des gens derrière. Et puis ce que j'ai ressenti surtout, c'est une humiliation, vraiment. Parce que la façon dont on me parlait, la façon dont on parlait de mon foulard, c'était vraiment quelque chose qui n'appartenait pas à la France, enfin, en tout cas pour eux, et qui n'avait rien à voir avec... c'était une sorte de dire, de toute façon ici dans ce pays, vous portez pas ce foulard... Je me suis sentie très étrangère, alors que bon, j'ai grandi en France, j'ai jamais connu mon pays natal, donc je me suis sentie finalement, j'ai eu ce sentiment d'aliénation en disant oh, je suis française, mais je suis peut-être pas tout à fait française, parce qu'on me l'a fait ressentir. Entre 96 et 2000, on va dire, on a eu 5 ans, on va dire, une espèce de guerre froide. Où finalement on n'entendait plus réellement la question du foulard revenir au créneau dans les médias. On avait l'impression que ça s'était résorbé. Hanifa Chérifi expliquait que le nombre de cas qui posaient problème diminuait considérablement. Sinon il y a donc une affaire à Flers qui est relancée en 99. Là le rôle d'Hanifa Chérifi comme médiatrice et le statut de la médiatrice, et c'est vraiment avec le recul maintenant de 2004, on se rend compte vraiment que la médiatrice, cette médiation a joué un rôle qui nous a peut-être échappé au début, mais qui est un rôle extrêmement pervers. En fait, de médiation, c'est de la pression. C'est-à-dire, la médiation consiste à aller voir les familles, les parents, la fille, les parents, la fille, en les poussant, en leur disant des choses fausses, en bluffant, en leur mettant la pression pour voir si, sait-on jamais, on peut lui faire enlever le foulard. Or, ça, c'est pas la définition d'une médiation. Elle fait ça. Elle se rend compte que la fille n'enlèvera pas son foulard. Elle se rend compte aussi que, par rapport à l'avis du Conseil d'État, il n'y a aucun motif valable d'exclure. Et là, à ce moment-là, elle va dire aux enseignants, vous êtes obligés de la garder, vous ne pouvez pas l'exclure tant qu'elle n'est pas absentéiste. Et le corps enseignant de Flers s'empare de ce savoir pour construire de toutes pièces un conseil de discipline pour absentéistes. C'est-à-dire que les élèves se présentent en cours de gym, elles sont prêtes à mettre un bonnet, elles sont prêtes à mettre un bandana, donc elles sont prêtes à faire tous les exercices de gym demandés. Le professeur la refuse en cours et la marque absente. Et le conseil de discipline est convoqué pour cet absentéisme-là. En fait, comment ça a commencé ? Monsieur Sarkozy, monsieur FIC numéro 1, s'est fait huer durant le congrès organisé par l'IUIF cette année. Devant une salle où la quasi-totalité des femmes portent un foulard, le ministre évoque l'obligation pour celles-ci de présenter des photos d'identité tête nue sur leur papier.
Rien ne justifierait que les femmes de confession musulmane bénéficient d'une loi différente pour la carte nationale d'identité. Il y a eu bon ton de se faire huer par des musulmans sur cette question-là. Dès le lendemain, ça fait un tollé. On a expliqué que les musulmans, bah, ils avaient hué la République. Comme ça rappelle un peu quand il y a eu le match France-Algérie, quand les jeunes avaient sifflé la Marseillaise. Donc on avait tout un pataquès, machin, bah, ça a été pareil. Mais de là, ça ne s'est pas stoppé, ça a continué, ça a relancé le débat. La droite, déjà, le gouvernement de droite, déjà, profite de ça parce qu'il est, disqualifié. Il a d'abord une très faible légitimité parce qu'on se souvient de quelle manière il a été élu. Il est contesté par un mouvement d'enseignants très très fort. Donc, il se saisit de cette affaire. À droite, c'est assez clair, c'est occuper le terrain, occuper le débat, diviser la gauche et faire qu'on parle d'autre chose que des mesures impopulaires sur le plan social qu'il est en train de prendre. Ce qui est grave, c'est qu'à gauche, on hurle avec les loups. Et c'est dès le mois de mai, Jack Lang notamment, qui annonce qu'il proposera, lui, de toute façon, une proposition de loi au Sénat, à l'Assemblée, etc., visant à interdire tous les signes religieux, etc., etc. Septembre, Aubervilliers, responsabilité écrasante de l'extrême gauche qui vient donner une légitimité de terrain à ce combat pour l'exclusion des filles voilées. C'est un petit groupe de militants de lutte ouvrière, accompagnés d'un membre du bureau politique de la LCR, qui lance l'affaire d'Alma et Lila Lévy, alors même que ces deux élèves étaient scolarisés avec leur foulard l'année précédente, allaient en gym avec un foulard l'année précédente, et ça ne posait pas de problème. Dès les premiers jours, alors même que la négociation s'engage et la discussion s'engage entre Laurent Lévy, le père, Alma et Lila, les filles, la direction et le corps enseignant, au bout de 2-3 jours, la négociation est parasitée par l'arrivée de la presse, appelée par ce groupe de professeurs. Et à partir de là, tout s'emballe et on aboutit à cette exclusion. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation. Alors bonsoir à tous, nous entamons un rassemblement, le premier rassemblement du collectif, une école pour toutes et pour tous. Comme son nom l'indique, notre collectif se bat contre cette loi qui vise, sous couvert d'interdire les signes religieux à l'école, qui vise en réalité les jeunes filles qui sont élèves et qui portent le foulard. C'est quoi l'intégration? Comment on parle d'intégration? Moi j'ai été à l'école. D'accord, je parle bien français, j'ai pas d'accent arabe. Hein. Donc vous voyez bien. Donc c'est quoi l'intégration? Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, ils veulent pas être intégrés. Vous travaillez ici, vous faites vos études ici, vous parlez très bien le français. Donc c'est quoi être intégré? C'est pas parce que j'ai pas une mini-jupe ou que je bois pas d'alcool ou que je mange pas de porc que je suis pas intégrée. C'est dingue de dire ça. Des soumissions. Quelle soumission? Moi j'ai soumise aussi. Quand on me demande d'enlever le voile, je me soumets à qui là? À Chirac? Nous sommes pour la liberté de choix de chacun et chacune. Comme nous sommes en train de lutter pour que ces des filles qui veulent porter le foulard à l'école puissent le porter et bénéficier de l'éducation. Nous luttons aussi pour que celles qui ne veulent pas le porter ne le portent pas. Et ça, on est tous là pour le dire haut et fort. L'émancipation passe par quoi? Pas par la loi que vous portez, pas par la couleur de cheveux que vous avez, pas parce que vous êtes rasé. L'émancipation passe par quoi? Par la connaissance. Comment vous vivez le débat qu'il y a à la télé depuis 6 mois, là, les choses qui sont dites à la télé, comment vous ressentez ça? Moi, je le ressens franchement personnellement. Je le sens comme une agression. Même la vie de tous les jours, je sais pas, comme si d'un jour à l'autre, ça a changé. Je vous souhaite une bonne journée.
Bah, la laïcité, je la définis comme dans l'esprit de la loi de 1905, en gros liberté de conscience. L'État et la religion est entièrement séparés et on est tout à fait libre d'exprimer ses convictions. Et en termes de prosélytisme, parce qu'il y a quand même cette notion qui est dans les établissements scolaires abordés, moi je pense concrètement que c'est pas une tenue vestimentaire qui va déterminer si, enfin, qui va être du prosélytisme. Je pense que c'est un comportement. C'est toute une série de comportements, mais c'est pas du tout une tenue vestimentaire. Et je pense que si on s'en tient là, eh ben, on aura une liberté quand même, une liberté d'expression, politique ou religieuse, dans les lycées. C'est-à-dire que un Che Guevara, un keffiyeh, une faucille, un marteau et un foulard, ça pourrait être accepté dans un lycée. Pour mettre les choses au clair, ces textes fondateurs, donc que il faut les rappeler, ils fixent la laïcité comme un idéal. Il fixe un cadre, et ce cadre, c'est effectivement des obligations et des contraintes, une obligation de neutralité avec toutes les ambiguïtés de ce terme, mais enfin, il y a cette première obligation de neutralité qui concerne les locaux, l'autre, elle concerne le personnel enseignant, et la troisième, les contenus enseignés, les programmes. Pour ce qui est des élèves, silence de la loi. La loi ne dit rien, et quand la loi ne dit rien, ça veut dire que il n'y a pas d'obligation particulière pour les élèves d'être neutres. Et il me semble que une des limites aujourd'hui de la laïcité telle qu'on la vit, c'est qu'elle se vit encore sous le regard du religieux. Et elle s'exprime dans les catégories du religieux, c'est-à-dire comme une croyance, comme une valeur. Elle n'est pas l'espace d'expression libre et respectueux de toutes les croyances, elle est l'espace d'affirmation d'une croyance, qui est la croyance dans la libre pensée, dans la liberté d'expression. Vous voyez ? Ou si on se base sur le mythe d'une école dans laquelle la société rentrerait pas, dans laquelle les problèmes politiques rentreraient pas, les problèmes religieux rentreraient pas, bah on se trompe, quoi. Et on peut pas, dire aux gens, on va pas parler des fermetures d'usines, ah bon, ton père a été renvoyé, bah tant pis, après tout, ça a rien à faire dans le sein de l'école. On est en sciences économiques et sociales, c'est pas grave, nous on analyse une structure économique, pas un cas particulier. Et bah ça vaut aussi pour les religions, quoi. À l'époque, les catholiques avaient le pouvoir, il y avait un contrôle de l'Église. Or, aujourd'hui, les musulmans, ils ne vont pas prendre le pouvoir, quoi, faut arrêter. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un délire. Je sais que j'avais des profs en quatrième qui me disaient, oui, mais mon pays, c'est la France, et j'ai pas envie que ça devienne comme l'Iran. Je dis, mais il faut arrêter le délire, quoi. Et le devoir de laïcité est d'autant plus cautionné qu'il y a le terme d'intégration. Il y a des sous-termes, il y a des sous-termes qui en découlent. D'intégration, d'assimilation, de... Alors que c'est des notions caduques. Déjà, l'intégration, pour moi, ne veut rien dire. Moi, je suis née en France. Quel devoir d'intégration j'ai ? Bah personnellement, moi je me sens française citoyenne, et je pense que je suis à égalité avec tous les citoyens, et je crois que c'est un défaut. Je pense que là c'est plutôt de l'assimilation que de l'intégration. Aujourd'hui, concrètement, on veut simplement confisquer le débat qu'il pourrait y avoir sur la question de l'islam, parce qu'on voudrait toujours la traiter sous le volet de l'intégration. Cette manière de nous ramener finalement à des origines qu'on aurait nous simplement. On est les seuls à être d'origine immigrée. On est les seuls à avoir une civilisation qui commence dans les années 70 et une civilisation qui se cantonne dans les foyers Sonacotra. On est les seuls. Depuis que je suis petite, considérée comme une Française à part entière. Quoi. On m'a toujours dit « t'es arabe », tout ça. Moi, j'ai entendu un prof d'histoire de droit nous défendre les principes de nation, une certaine idée de la nation française. C'est-à-dire qu'on confond
la République française comme on l'entend aujourd'hui, avec une espèce de nostalgie liée à l'empire napoléonien, cette idée d'empire conquérant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on vit mal le fait qu'une certaine partie de la population française aspire finalement à se développer toute seule, non pas sans les autres, mais a besoin de le faire selon ses propres griefs. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de présenter des modèles d'intégration comme une espèce de défilé de mode. On nous montre quel est l'arabe qu'on doit devenir pour être un bon français. C'est ça qui est intéressant. On ne doit pas devenir un français, le bon arabe pour devenir français. Je crois que cette étape-là, elle est fondamentale. Alors, on nous donne des noms, ce qu'on appelle nous l'arabe de service, etc. Et il prend différents visages. Et ce sont des gens qui sont carriéristes, donc forcément qui retrouvent leur compte. Pour moi, déjà, à la base, le concept d'intégration, pour moi, à la base, c'est du flan, quoi. Parce que ça ne veut rien dire du tout. C'était une caution politique à... ce concept, pour moi, c'est une caution politique à une normalisation. C'est simplement ça. Ça veut dire être un bon esclave, parce que c'est ça, moi, je le comprends comme ça, même si le terme, il peut choquer. Être un bon esclave. En ce sens, tu vas taper tes 8 heures à l'usine, tu rentres chez toi, tu baisses les yeux, tu fermes ta gueule. C'est son certificat de bonne indigène. Les jeunes se sentent français, ils ont envie aussi de s'affirmer comme tout jeune. Enfin, il y en a, ils s'affirment dans le religieux, d'autres ils s'affirment par la mode. Enfin, il y a toute une façon d'exister, de vouloir exister. Mais l'islam ne doit pas faire partie apparemment du champ. Ça ne doit pas faire partie, ça fait peur en fait. Il y a une peur qu'on nous a mis comme ça, qu'on essaye d'alimenter. Donc il y a des groupes intégristes qui sont derrière, qui se cachent derrière. Alors première chose, je dirais, c'est un discours absolument ignare de gens qui s'improvisent sociologues des banlieues et qui affirment froidement, sans se donner une minute ou une heure de peine à enquêter, à travailler, à lire, mais qui décrètent, et on ne leur demande pas de compte, que voilà, une majorité, ou la plupart, voire toutes, ou en tout cas un certain nombre, sont alors soit les victimes, soit les agents, soit un mélange des deux, c'est très 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 vague, deux groupes intégristes. Je dis qu'il y en a certainement. Après tout, pourquoi y aurait-il pas, comme tout le monde le sait, des extrémistes là alors qu'il y en a ailleurs, y compris des extrémistes laïcs ou des extrémistes politiques? Et je comprends pas que les gens aient peur de ça, parce que c'est si moi qui connais assez bien quand même les je connais pas mal de musulmans et tout ça, donc je vois pas comment des gens qui t'avouent eux-mêmes qu'ils en connaissent pas, qu'ils ont pas envie d'en connaître, et ils vont avoir peur des gens qui sont, je sais pas, des groupes cachés quelque part. En fait, ils sont prisonniers d'une vision essentialiste de l'islam qui fait que pour eux, l'islam et le foulard, et là aussi c'est aussi un cliché effectivement colonial, c'est que l'islam et le foulard, c'est la même chose où qu'on se situe dans le temps, où qu'on se situe dans l'espace. C'est-à-dire que l'Iran ou la France, c'est la même chose, le signe est le même. Or, je veux dire, c'est évident que non. Il existe des mouvements intégristes à Lyon, à Paris, enfin surtout vraiment dans les grandes banlieues. Et je pense que, autant moi, je les combats comme n'importe quel citoyen, dans la mesure où c'est une vision très... une vision absolue, enfin que je partage pas du tout, et très violente des choses. Mais maintenant, la majorité de la communauté musulmane ou de la population
musulmane en France partage pas du tout cette idéologie-là et est plutôt contre, quoi. Donc je pense que derrière ces jeunes filles voilées, à quelques exceptions près, c'est un choix où s'il existe une pression familiale, elle n'est pas forcément d'origine intégriste, elle peut l'être, mais elle peut aussi être une pression culturelle et traditionnelle. On maintient les gens sur la peur de l'intégrisme, sur la peur de voir Ben Laden arriver en France, sur la peur de l'attentat, sur la peur de... On les tient là-dessus. Parce que si finalement il n'y avait pas toutes ces appréhensions-là, les gens iraient de même rencontrer ces gens qu'on montre du doigt. Mais qui sont-ils? Mais on n'irait pas, parce qu'on a peur de sauter sur une bombe. Tout débat, normalement, a des nuances. Rien n'est blanc ou noir. Mais quand il s'agit de la question de l'islam, il y a les bons et les méchants. Il y a le blanc et le noir. Tout est binaire, un peu comme, comme notre ami George Bush, qui a dressé un axe du mal. Et bien là, pareil, on a défini qui était le mal. Et celui qui a le malheur de déroger à ce qu'on a défini comme étant le mal, ou c'est un islamophile, ou il a un double langage, ou il a quelque chose à cacher... Si on s'exprime mal, c'est qu'on est manipulé. Quand on essaie de s'exprimer correctement, on manipule. Quand on essaie de déconstruire le discours de l'autre, on essaie de se la jouer plus royaliste que les royalistes eux-mêmes. Donc finalement, on place le débat dans l'impasse. Peu importe ce qu'on fait, à partir du moment où on se décline musulman, forcément, il y a Anguille Souroche. Si on veut lutter contre les intégristes, on mène une politique contre les groupes intégristes. On ne mène pas une politique contre les gamines de 15 ans ou de 18 ans. Qu'elles y soient ou qu'elles y soient pas, mais même quand elles y sont, a fortiori, on ne les exclut pas de l'école. Si ces groupes sont dangereux, si ces groupes dangereux existent, la fille qui vient quand même à l'école publique avec son voile, je dirais que c'est un devoir impérieux de précisément la garder au sein de cette école laïque qui, malgré tous ses défauts, lui permet de côtoyer déjà des élèves de tous horizons. Et puis de recevoir un enseignement un petit peu différent de ce qu'elle entend à l'extérieur. Alors, je suis aide éducatrice dans un collège, donc ça fait 4 ans et demi. Et donc, il y a une fille qui porte le voile, mais parce qu'elle est obligée. Donc, elle est soumise à l'autorité parentale. Et donc, c'est une bonne élève qui aimerait aller l'année prochaine au lycée. Et aller à la fac, faire des études de médecine. Et le problème, c'est que ben, son père, il est d'accord, mais il lui dit tout simplement que de toute façon, comme l'école ne veut pas d'elle, et ben, de toute façon, elle n'ira pas. C'est une fille comme tout le monde, je veux dire, c'est une fille de son âge, 14 ans, donc qui se maquille, qui se démaquille avant de rentrer, ben, comme on l'a tous fait, quoi. Qui, ben, qui est amoureuse, qui pleure, qui rit, enfin, je sais pas, c'est une fille, quoi. Elle risque d'être exclue, et je trouve, alors que l'école est obligatoire quand même. Et je trouve que l'école, quand on est adolescent, c'est déjà difficile d'être adolescent, on a vraiment plein de cela où on a tous nos problèmes, et je trouve qu'en rajouter encore par rapport à un voile, c'est une fille, c'est un être humain, et on n'a pas le droit d'empêcher des gens d'aller à l'école. Je connaissais ces filles-là depuis quelques années parce qu'on faisait des trucs ensemble, parce qu'on faisait les mêmes manifs, etc. Et puis en fait, ces histoires sur les lois, au début, je voulais pas me positionner, quoi. Je me disais, c'est pas important, il y a quand même des choses beaucoup plus importantes que ça. Il y a la casse du service public, il y a les chômeurs, il y a tout ça. Et après tout, pourquoi s'en occuper? Et puis là, ben, cette année, ben, je me suis rendu compte qu'en fait... même si je les connaissais pas très bien, même si je les connaissais que de vue, même si j'avais fait que des manifs avec elles, il se trouve que bah, ces filles-là, et ben, tout d'un coup, elles risquaient d'être envoyées, quoi. Tout d'un coup, ça devenait prégnant, quoi. On les voyait et puis on savait que demain, elles auraient sûrement plus de cours, quoi.
pour nous, Festival Permanent, ça a été une suite logique. Qu'on se retrouve en même temps dans le mouvement social de mai-juin contre les retraites, qu'on se retrouve avec des groupes de femmes sur les luttes féministes, qu'on se retrouve avec des collectifs ou des groupes politiques sur les questions de colonialisme. Pour nous, c'est la lutte est la même. Et dans cette lutte-là, contre cette loi-là, on y retrouve et on n'a aucun problème de se retrouver, de faire la jonction de ce qui nous semble être trois luttes nécessaires contre trois rapports de domination qui nous pourrissent la vie. C'est comme si les adultes de cette grande famille n'avaient pas voulu voir l'émergence de ce que certains de ses membres pouvaient exprimer comme richesse. Et donc depuis 1997, en fait, notre famille y a perdu en créativité, notre famille française y a perdu, et c'est comme si, au lieu de s'ouvrir à toutes ces nuances que les différents groupes communautaires pouvaient apporter, il n'y avait aucune raison qu'elles ne les apportent pas, ces différences-là et ces richesses. Si on retrouve dans cette loi-là toutes les caractéristiques des rapports de domination qu'on combat. On retrouve bien sûr le rapport colonial, parce que c'est effectivement une continuation de l'histoire coloniale française. Du rapport colonial qui est présent et qui est ancré dans la société française, c'est-à-dire cette vision de vouloir avoir une population corvéable à merci. Et dans ce sens-là, on retrouve tous les facteurs de domination économique du capitalisme. Parce que pourquoi on veut exclure des gens, si ce n'est pour à un moment donné les précariser? Et c'est les nanas qui maintiennent la cohésion familiale avec des pères humiliés. Ça veut dire qu'elle porte le foulard pour soigner le père et pour maintenir la cohésion de la famille. Ça, je l'avais dit peut-être en 97. Les mecs qui m'ont allumé à mort, hein, à mort. C'est la vie communiste et puis c'est les universitaires qu'on fréquente maintenant. Hein. En plus de ça, je suis athée, anticlérical, à tendance libertaire, donc je me trouve en franche opposition avec beaucoup de gens qui sont de ma tendance. Mais en fait, c'est une opposition qui n'a pas lieu d'être, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit moi qui me trompe. Parce que la lutte contre les religions, quand on décide de la faire parce que les religions, on considère que c'est aliénant, etc., elle peut pas se faire au mépris des individus. On peut pas dire aux gens leur religion, ça sert à rien, qu'elle est inutile, qu'elle les fourvoie, et que donc ils auraient intérêt à l'oublier pour passer à un stade révolutionnaire actif, etc. Je dis pas que c'est... Ouais, c'est l'exclusion. Non, j'en sais rien. Non, c'est un outil de protection vis-à-vis des filles qui ne veulent pas le porter. Parce que je suis désolée... On les exclut de l'école, quand même. D'abord, on les exclut si elles veulent bien être exclues. Je suis désolée. Moi, dans mon établissement, il y a eu des filles qui ont voulu mettre le voile. On a discuté, on a négocié. Elles ont accepté. Et elles ont accepté en... Parce que le jour où les filles voilées accepteront que les autres ne se voilent pas, là, d'accord. Je soutiens les putes, les soumises et les voilées. Et je soutiens tout le monde. Et tout le monde. Qu'elle soit pute, SDF, je la soutiens. De toute chair. Elle a besoin de quelque chose, elle vient me voir. Je suis là. Il faudra s'habituer. Je voulais dire aussi que la France, en fait, veut nous dévoiler pour voiler ses problèmes, tout simplement. C'est tout ce que je veux dire. Et puis maintenant, je suis là pour soutenir les femmes. Hein. Je suis aussi une femme, française, citoyenne avant tout. Et je suis venue me revendiquer, tout simplement. C'est une loi discriminatoire et on est là pour protester contre cette loi et on est dans ce cortège parce que nous estimons que c'est une loi contre les femmes aussi.
Ben nous, on est un peu l'antithèse de ni pute ni soumise, puisqu'on est contre les lois qui punissent les prostituées et contre les lois qui punissent les femmes voilées. Donc voilà, on est exactement l'antithèse, on est donc un vrai mouvement féministe. Ni plus ni moins. Et on est surtout, surtout, on est indépendant. On n'est pas financé par le PS, ni par SOS Racisme. C'est cette bande de racailles là qui ont saboté la marche des bars. Voilà. Je pense que le féminisme, il a pas de couleur, pas de vêtements. On est des femmes, on défend nos droits. Un argument pseudo-féministe qui a été proposé par le pouvoir en place et dans un panneau dans lequel malheureusement beaucoup de féministes sont tombées aussi. Parce qu'elles ne sont pas seulement tombées dans ce panneau-là qui pousse à la répression de certaines femmes, mais elles sont tombées dans l'autre panneau qui est de favoriser le symbole au détriment de la réalité. Je pense que là, le féminisme pris dans son ensemble, pas chaque féministe ou toutes les féministes, mais disons, pour le moment, en tous les cas, la majorité des groupes féministes a fait un très mauvais deal avec l'État. Parce que c'était l'occasion pour le mouvement féministe de dire, écoutez, les symboles, il y en a à l'appel, celui-là, il ne nous dérange pas plus que d'autres, comme par exemple des choses qui ont été beaucoup citées dans le débat, comme le string, la pornographie, les talons aiguilles, etc. Ce qui nous dérange vraiment, c'est d'être payé 25% de moins que les hommes, c'est de nous taper 80% du travail domestique, c'est d'être acheté et vendu comme des marchandises, ça nous dérange. C'est d'être battu, c'est d'être tué par des coups, ça nous dérange beaucoup et vous ne faites pas grand-chose. Dire que la racine du patriarcat et de l'oppression des femmes réside uniquement dans l'islam, c'est trop réducteur et ça ciblerait forcément un sexisme de banlieue et de quartier, alors que le sexisme concerne toute cette société et dans les sphères publiques que privées. Et on est forcé aussi, pour décrypter la signification de ce foulard, de ne pas aller simplement décrypter trois sourates du Coran qu'on a entendues à la télévision, mais de demander aussi aux filles qu'ils portent la signification qu'elles leur donnent. Un signe, comme tout signe, que ce soit la mini-jupe, le rouge à lèvres, le décolleté ou le foulard islamique, il a le sens, il n'a pas un seul sens. Il peut être dans certaines situations, je parle du décolleté ou du rouge à lèvres, il peut être dans une situation l'élément qui s'inscrit dans une aliénation, une soumission au désir masculin. Il peut être, dans d'autres cas, pour d'autres filles, un élément d'émancipation, d'affirmation de soi. C'est pour ça que nous, notre combat, il est pour toutes les femmes. Et nous sommes pour la liberté de choix et surtout d'autonomie de chacune. Pour que toutes les femmes disposent enfin de la librement de leur corps. Pour moi, peut-être que porter le voile, justement, c'est m'émanciper, c'est m'affirmer en tant que femme. Donc, c'est pas, il n'y a pas un le féminisme unique, c'est pas universel. Notre collectif, ce qui est intéressant, c'est que il est ouvert à. On a des jeunes filles, on a des filles lesbiennes, on a des anticléricales, on a des divorcées, des mariées. Des filles voilées musulmanes. Et on est énormément de femmes musulmanes à se définir comme féministes, c'est-à-dire comme des femmes qui se battent pour finalement que des femmes puissent accéder aux mêmes droits sans imposer un idéal. C'est-à-dire que vraiment, je pense que en France et même peut-être ailleurs, mais moi j'ai remarqué ça surtout en France parce que c'est pas pareil en Allemagne ou en Belgique ou en Angleterre. Il y a un féministe assez franco-centriste, on va dire, et qui est quand même imprégné d'un certain colonialisme parce que
venir imposer un idéal ou dire toi tu n'es pas libérée, tu es soumise parce que tu portes un symbole, ou aller finalement tout résumer à un bout de tissu, je trouve que c'est grave et ça dénature finalement ce que devrait être le féminisme. Le voile et qui ont peut-être une manière de le porter qui est un peu qui est affirmative, mais je veux dire, elles ont face à elles des personnes qui sont suffisamment sensées pour savoir réagir. Il faut arrêter de penser que toutes les filles qui ne sont pas voilées sont mentalement ou psychologiquement faibles et que du coup le fait de porter le voile serait un signe de force. D'ailleurs, c'est assez étrange ça. On se demande pourquoi on voudrait qu'elles l'ôtent. Du coup, si effectivement ça les fortifie tant que ça, au fond, il aurait peut-être mieux qu'elles le gardent. Moi, elles sont sûres de pouvoir se prémunir contre tout un ensemble d'influences délétères. Je crois qu'on leur attribue, voilà, une espèce. Ça, c'est typique de la constitution de la menace, c'est que ceux qui sont constitués comme menaçants sont aussi investis d'une espèce de puissance exorbitante. Comme si les filles voilées avaient une capacité de persuasion supérieure à celle des autres. Moi, je pense qu'elles n'ont pas forcément ni besoin ni envie de convertir tout le monde à leur usage et à leur pratique. Et qu'on ne peut penser cela que si effectivement on est dans la défense d'un certain modèle complètement monolithique de ce que doit être la femme. Et je trouve que d'ailleurs, dans la manière dont il s'est réorienté, le mouvement Ni pute ni soumise a complètement prêté le flanc à tout un ensemble de stéréotypes finalement. C'était absolument essentiel ce qu'elle dénonce et ce qu'elle dénonçait à l'époque. Le problème, c'est que ça n'est pas la meilleure manière de sortir de l'ornière ou de cet enfermement que tout le monde connaît dans les quartiers. Ça n'est pas de proposer un modèle normatif en disant voilà, la seule voie, la seule issue, c'est le républicanisme jacobin, intégrationniste. Autrement dit, donnons les gages que nous sommes bien comme on attend de nous que nous soyons et nous serons tirés d'affaire. Les générations antérieures de descendants de migrants et de descendants de migrants qui ont eux-mêmes été décolonisés savent très bien que il n'y a rien à gagner à ce genre de marché, qu'en général c'est un marché de dupes. La figure un peu paternaliste, compatissante de l'élève voilé victime, elle a un peu disparu parce qu'elle était peut-être méprisante, mais elle avait au moins l'avantage qu'elle permettait à certains humanistes de gauche de dire qu'il faut quand même les garder dans l'école publique dans le but qu'elle enlève un jour leur foulard. Bon, ben, y a eu une sorte de révolution symbolique ou de coup d'État symbolique, de coup de force symbolique auquel, malheureusement, il faut bien le dire, Ni pute ni soumise a fortement contribué et qui a consisté justement à faire apparaître ces filles comme « Attention, arrêtez de les prendre pour des victimes, soyons pas angéliques, elles savent très bien ce qu'elles font, elles ont un double discours. Quand elles ont l'air bien, elles ont un double discours. Elles sont perverses, elles sont vicieuses. Il y a eu des discours assez haineux, même sur les filles Lévy. » Aujourd'hui, la population qui est en phase de renouer avec l'histoire des combats de femmes, c'est les femmes issues de l'immigration. Parce qu'elles sont en train de remettre en question toute la structure culturelle, la structure clanique qui fait qu'à un moment donné, elles n'existent pas en tant qu'individus. Mais en même temps, elles sont en train de renouer avec une histoire qui explique, à défaut de justifier, pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Elles essaient de démonter l'idée de certaines féministes qui tend justement à dire que si elles, on ne ressemble pas à telle ou telle idée, eh ben on ne peut pas être émancipé. Donc on est en train aujourd'hui de remettre en question l'idée de l'émancipation féminine et surtout on remet en question la légitimité de celles qui l'ont définie. Et c'est ça aujourd'hui qui gêne. Donc sur le plan politique, ça devient dangereux. En fait, ça s'est passé en septembre 1994, donc j'étais en terminale
Et donc, bon, il y a eu la circulaire du ministre de l'Éducation nationale, M. Bayrou, qui était envoyée à tous les proviseurs. Et c'était aux proviseurs de choisir, de voir en fonction des élèves s'il y avait lieu ou pas d'exclure une élève qui portait le foulard. Donc, en septembre, on nous a d'abord parlé à toutes les filles qui ne voulaient pas enlever le foulard. Et donc ça a commencé, ils ont discuté avec nous, mais en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'on nous a placé, toutes les filles qui portaient le foulard, on nous a placé dans une salle, c'était, je me souviens très bien de la salle A240, c'était la salle de réunion, et on nous a mis toutes à l'écart ensemble, et on a essayé un peu de discuter pour nous, en fait, nous convaincre de devoir l'enlever. Et bon, donc on est resté... pendant 2 mois, on n'a pas eu le droit à aller en cours, quoi. On était là pendant toute la journée, de 8h du matin jusqu'à 6h du soir. Et bon, à la récréation, on avait le droit de sortir. Donc en fait, on était un petit peu les pestiférés du lycée, quoi. On nous enfermait là, mais après, bon, quand on allait voir nos camarades pendant la pause de récréation, on prenait les coups, on rattrapait, parce que nous, on ne se voyait pas du tout se faire exclure. Donc en plus, toutes les filles, on était une trentaine. On était une trentaine dans la salle à 240 tous les jours, quoi. Et donc c'était un petit peu, c'était pendant 2 mois, c'était septembre, et je me suis fait renvoyer au mois de novembre. Donc pendant 2 mois, c'était comme, je ne sais pas comment dire, on était un peu persécutés dans cette salle. Tous les jours, on venait, on rentrait dans le lycée, on voyait nos camarades 5-10 minutes avant qu'ils aillent en cours. Et ensuite, on nous mettait dans cette salle, à l'abri des autres, à l'abri des regards. Je ne sais pas, c'est comme... C'est une drôle de sensation de rentrer. On rentre dans le lycée, mais après, on vous met à part. On vous met dans une salle. Et c'est comme si c'était un petit peu un moyen de... Pas persécuter, mais je veux dire un moyen de pression, voilà. Donc, bon, ensuite, en novembre, quoi, moi, j'ai été exclue le 21 novembre 1994. Ben, je suis passée au conseil de discipline, comme toutes les autres, les 10 autres. Tu peux raconter le conseil de discipline? Oui, le conseil de discipline. Alors là, c'est quelque chose d'horrible, c'est atroce. Parce que, en fait, moi, pendant toute ma scolarité, depuis la primaire, quand j'entendais conseil de discipline, c'était vraiment pour les gens, vraiment les cas du lycée, les gens que je ne sais pas, qui harcelaient les professeurs, qui les violentaient, qui faisaient du mal, qui troublaient l'ordre de l'établissement, qui vraiment c'était des gens à problème, des gens qui mettaient des problèmes, qui faisaient des problèmes pour le lycée ou le collège. Mais quand moi on m'a dit que je passais en conseil de discipline, quel manquement de discipline j'ai eu? C'est ça qui est le plus choquant, c'est vous allez passer au conseil de discipline, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Et je me souviens encore de cette scène quand le proviseur m'a tendu une feuille, et sur cette feuille, il avait écrit mon nom, il avait écrit Mademoiselle Aouzdi Fatima, et renvoyé, exclu définitivement, le 21 novembre 1994, et en dessous, il y avait A, c'était pour marquer l'heure. Il était 10h30, il a marqué 10h30, il m'a tendu la feuille et il m'a dit « Il est 10h30, à 10h31, je ne veux plus vous voir dans l'enceinte de l'établissement. » Et ça, je crois que ça a été le pire de tout, même le fait d'être enfermé dans cette salle. Ça, c'était le pire, le fait qu'il me tende cette feuille et qu'il me dise « Dehors, quoi. Dehors, on veut plus de toi. » Et... quand je suis sortie, je ne sais pas, je regardais derrière moi. Et bon, je suis un peu émue quand je... Et j'étais la première en plus à passer au conseil de discipline. Et de la cour de récréation, je voyais la salle à 240 parce qu'elle donnait sur la cour. Et je voyais les filles qui étaient là-bas et qui me voyaient partir. Et je voyais que ça allait bientôt être leur tour. Et je ne sais pas, c'est une image. Quand je suis sortie, c'était... Je n'ose même pas, je ne sais pas, je ne trouve même pas les mots pour dire... C'est... Je sais pas, pendant je réalisais pas encore, mais le fait de tendre cette main et de me dire dehors, on veut plus de toi, bon, j'ai rien fait de mal et on me jette comme ça, on me met à la rue, et je crois que ça c'était le pire, quoi. C'était, je sais pas, je peux même pas mettre des mots dessus, mais c'est horrible. Une fois que je suis sortie, ce que j'ai ressenti, c'était une solitude, une grande solitude. Je me sentais seule parce que, je sais pas, la vie à l'école, c'était,
c'était ma vie sociale. C'était, je veux dire, parce que quand je suis sortie du lycée, en fait, quand on m'a renvoyée, ce qu'il y a, c'est que j'ai vu que tous les camarades de classe que j'avais en cours, les professeurs, j'avais plus rien en commun avec eux, tu vois. Je veux dire, en général, quand tu sors du lycée à la fin des cours, tu parles des devoirs, des cours, des contrôles, le professeur, qu'est-ce qu'il t'a dit, tu vois. Et là, quand j'ai rencontré ces anciens camarades, je veux dire, quand on s'est rencontrés, on n'avait rien en commun à se dire, on n'avait plus rien. Je veux dire, je sais pas, eux avaient leurs devoirs, ils suivaient le cours de leurs études. Et moi, j'étais comme ça. C'est comme s'il y avait moi et les autres. Je faisais plus partie, j'étais plus une élève, j'étais plus une lycéenne, j'étais plus rien. J'étais plus rien, en fait, quand je suis sortie. J'étais une exclue. Et là, je me suis vraiment sentie, je me souviens, les 10, on était là, on s'est dit vraiment, on est les exclus de la société. Parce que pour vivre dans une société, il faut vivre avec les autres. Si on vous met de côté, toute seule, je ne sais pas comment on peut devenir sociable. Et aussi, ce qu'il y a, c'est que l'école, c'est grâce à l'école qu'on peut avoir un avenir professionnel. Et là, quand on m'a... tous les soirs, je pensais, je pleurais toute la nuit. Je m'étais à pleurer, je pensais, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Mon avenir, qu'est-ce qui va devenir? J'avais plus d'avenir. En plus, en terminale, on passe le baccalauréat, on peut faire après des études supérieures, on peut voir autre chose. Le baccalauréat, c'était vraiment une porte, vraiment, qui pouvait ouvrir la porte à plein de choses. Et là, je sentais qu'on m'avait cassé mon avenir, on l'avait arrêté là, en terminale, voilà, l'année du baccalauréat. On m'a cassé mon avenir là, on m'a dit stop, voilà, et voilà, tu sors, tu es à la rue, tu n'es plus rien, tu ne vaux plus rien. Et alors, je me demandais... Je sais pas, maintenant, avec le recul, je me demande comment on peut s'émanciper si on passe pas par l'école. Comment on peut se libérer? Comment on peut apprendre? C'est à l'école qu'on apprend tout. Si on va pas à l'école, on peut rien apprendre. De la vie, en tout cas. Et en sortant de l'école, ça n'aide personne. Je leur souhaite vraiment beaucoup de courage. Et quel que soit leur choix, moi, je les respecte. Hein. Et je les encouragerai. Si je peux les aider dans quoi que ce soit, je le ferai. Mais quel que soit leur choix, il faut bien qu'elles choisissent. En fait, quel choix? Il n'y a pas de choix, je veux dire. C'est soit l'école, soit rien. Donc, quelquefois, le choix, il est vite fait. Donc, je les encourage et franchement, je souhaite vraiment beaucoup de courage. Et j'espère qu'elles feront le choix et qu'elles ne regretteront rien. J'espère qu'elles ne regretteront rien. Ça fait 32 ans que je suis dans l'éducation nationale. Bon, je suis jusqu'à présent très contente d'y être. Mais il y a 5 ans, quand à Flers, en Normandie, a éclaté cette affaire de foulard qui a été énormément médiatisée, et c'est tant mieux, parce que moi, je pensais que ça allait donner lieu à un grand débat. Puis après, tout ça est retombé. On a oublié qu'il y avait deux petites filles, parce que je dis deux petites filles, de 11 ans et demi, qui étaient seulement en 6e. Moi, j'ai été absolument choquée, bouleversée par ça. On lui a dit, écoute, t'as les cours par correspondance, t'as qu'à t'inscrire au CNED, mais en plus le CNED c'est pas gratuit, personne ne s'est occupé de savoir si cette famille, qui est une famille d'ouvriers, ils n'avaient pas les moyens de se payer les cours, ça a été très difficile. La petite s'est retrouvée du jour au lendemain avec une pile de cours haute comme ça qui l'a dépassée, elle était incapable de s'organiser, donc l'histoire des cours par correspondance, mais c'est un leurre, et c'est renforcer l'inégalité, parce que la petite elle n'avait pas de parents qui parlaient français. Donc la pauvre mère, la sœur pouvait l'aider, mais elle était prise par son BTS. La petite, elle s'est retrouvée toute seule à organiser ses devoirs. Et puis surtout, moi surtout, ce que j'ai trouvé très triste, et elle en est tombée malade, la petite, je peux le certifier, elle a même été hospitalisée. Et ça, faut le savoir, quoi, jusqu'où ça peut aller, l'exclusion. On l'a arrachée, moi je dis, à une communauté scolaire. Hein. C'est une petite qui avait des bons camarades. Et je suis d'accord avec les lycéennes. Les trois quarts des élèves, je dirais presque la quasi-totalité des élèves, ils ne comprennent pas l'exclusion. Ils étaient tous devant le collège, spontanément, à crier leur solidarité avec Esma Nour et Belguine, les deux petites. Vraiment. Et j'étais stupéfaite de l'attitude des profs. J'étais sidérée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les deux petites se sont présentées avec leur foulard, et moi, je pensais que ça pouvait... Moi, je suis prof de français, j'aime bien débattre avec les adultes et j'aime bien débattre aussi avec les enfants, parce qu'il y a quand même des profs qui débattent et qui discutent avec les élèves. Eh bien, je n'ai trouvé dans mes collègues que des gens pleins de haine, pleins de peur, parce que moi, je crois que c'est ça,
hein, l'essentiel, c'est la peur et tout le beau discours sur la laïcité. Et on a entendu tous les arguments. J'ai une pile de dossiers comme ça, d'articles du Monde, et tout le monde y va. Mais dans le fond, elle a raison, elles ont raison, c'est le racisme. Je n'ai pas peur de le dire parce que ça fait 5 ans que je m'invite à tout. Nous sommes le 3 avril 2004 et nous avons décidé donc avec les jeunes filles dont les voix n'ont pas été entendues concernant donc le foulard de faire une manifestation de discussion. C'est un terme donc qui a été inventé par ces jeunes filles pour dire qu'on voudrait changer un peu la mentalité des gens. Certains problèmes en France et ils souhaitent cacher ça donc en sortant un faux problème pour pouvoir faire des choses par derrière. C'est comme toutes ces lois qui passent en ce moment. Bon ben, personne n'est vraiment au courant parce qu'on focalise le problème sur le voile quoi. On supprime des postes, on donne pas aux moyens, enfin des moyens aux professeurs. Finalement aujourd'hui, quand on voit le désengagement et peut-être le désintérêt des gens sur la question des sans-papiers, sur la question du vote des étrangers, sur la question de la discrimination, et quand on voit finalement qu'aujourd'hui, l'idéologie dominante, elle a réussi à stigmatiser, à pointer du doigt les victimes et en faire finalement le problème. C'est-à-dire qu'on regarde les personnes dans les banlieues, on regarde les chômeurs, les immigrés, et on en fait finalement le problème de la France. C'est-à-dire des vecteurs de violence, alors que finalement la violence et le problème de ce pays, c'est bien la précarité, le chômage et vraiment, vraiment le manque de politique et de projet social. Aujourd'hui, on est en phase où on est en train de vouloir construire de nouvelles prisons, où il y a une situation carcérale qui est dramatique. Dans les classes populaires, on essaie de montrer que nos gosses, ils doivent être logés à la même enseigne que ceux qui n'habitent pas dans les quartiers, qu'on veut les mêmes moyens. Qu'on veut pouvoir lutter contre la discrimination faciès, etc. Le problème d'insalubrité des logements, qu'aujourd'hui on est face à des politiques de la ville qui discriminent les gens plus qu'autre chose. On ponctionne de l'argent à tout va, mais ça passe plus souvent dans les frais de fonctionnement que dans la réalité des habitants, etc. Tout ça, finalement, ça permet de les mettre sur le plan, sur l'arrière-plan. L'histoire de foulard concentre telles énergies, on a vraiment l'impression que la République est en danger, au point que finalement on explique aux gens qu'il faut se solidariser autour de cette question-là. Laissons de côté le reste, ne vous inquiétez pas, on s'en occupe pour vous, on traite ces situations-là. Et on place les gens ensuite sur le fait accompli. On a le sentiment aujourd'hui qu'on essaie simplement de penser les vraies préoccupations de notre place, et en fait on a lancé une espèce d'os à ronger aux gens pour qu'ils aient le sentiment d'exister, de défendre quelque chose. Mais en fait pour l'instant ils ne défendent rien. Aujourd'hui la réalité c'est que le foulard est un cache-misère. Finalement, moi je crois qu'il y a du positif dans le négatif parce que je crois qu'on a dévoilé un racisme latent qui est présent dans la société française, une mentalité coloniale très imprégnée dans la société française. Et Bourdieu à l'époque écrit un texte qui malheureusement est resté inédit et qui est sorti après sa mort, qui s'appelle Un problème peut en cacher un autre, où il dit justement qu'il faut lire quand on parle du foulard à l'école et quand on voit le débat qu'il y a. Dès cette époque-là, hein, dès 89, il écrit ça, qu'il faut, pour comprendre véritablement ce qui se passe, voir ce débat comme une reformulation, une sublimation
d'une question latente. C'est-à-dire, il dit la question patente, faut-il accepter à l'école les élèves portant le foulard islamique, n'est que la retraduction d'une question latente qui est, faut-il accepter en France une présence arabe ? Et de fait, donc, ce que dit Bourdieu, c'est que cette reformulation permet d'apporter une réponse radicale et qu'on ne s'autoriserait pas à apporter si on gardait les termes initiaux. Et il est évident que cette question raciste, même si ce qui est mis en avant, c'est souvent le féminisme ou la laïcité, cette question raciste, elle surdétermine beaucoup le débat. On a l'impression, par exemple, aujourd'hui dans le quartier, que le viol collectif est le fait de l'immigration, que les tournantes sont une invention dans les quartiers. Mais la pilule du violeur qui touche les beaux quartiers, on n'en parle pas, entre gens bien comme il faut. Mais ces petits salopards là qui savent que violer les filles et dans les salles de poubelle, c'est vraiment nous montrer comme des espèces d'animaux, je veux dire. Et ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'image du sauvage, du français musulman, de celui qu'on devait civiliser. Pourquoi on parle de reconquérir les quartiers? On demande de nous assimiler à un pays sans prendre en compte toute l'histoire. Et pourquoi on le fait, ces stratégies politiques encore? On nous demande de le faire, on demande de nous assimiler pour qu'on oublie cette histoire, pour pas qu'on la règle finalement. Donc on déplace le problème. On se dit, on leur demande soit de s'assimiler comme ça, tranquille, ils nous font pas un rappel de cette histoire et du coup on a plus de compte à rendre, soit ils veulent pas le faire et du coup on va les matraquer un petit peu. Il faut les matraquer, on va les remettre un peu en place. Voilà. Et tant qu'on ne reconnaîtra pas, on ne mettra pas à sa place cette partie de l'histoire, il n'est pas question de réécrire l'histoire, il est simplement question de l'écrire. Et ça permettra d'une part à une certaine partie de la population française de faire son deuil. Parce que dans les quartiers, non pas qu'on habite dans les quartiers, mais on est quand même relativement concentré dans certaines zones géographiques, eh bien, ce n'est pas des parties de l'histoire qu'on nous enseigne par le biais de nos parents. C'est des frustrations. C'est des ressentiments, c'est des silences, c'est des non-dits. Et cette frustration-là, on finit par l'hériter. On en hérite. Et cette façon de nous parler de l'Algérie, nos parents, ce malaise qu'il y avait derrière, étant jeune, on ne l'avait pas compris. Aujourd'hui, on se réapproprie cette partie de la mémoire. Moi, je crois qu'il y a eu un vent de panique dans cette classe politique de gouvernement PS-UMP autour des années 99-2000-2001. Face à, justement, une prise de conscience que quelque chose était en train de bouger, que cet ordre symbolique colonial était ébranlé, qu'un certain nombre de débats enterrés ressortaient. Le débat sur la guerre d'Algérie, sur la torture, la commémoration assez importante du 17 octobre 61 en 2001, le débat sur le droit de vote des étrangers, avec des sondages qui commencent à montrer qu'on a une approbation majoritaire dans la population, le débat sur la double peine avec toutes les grandes associations qui, enfin, après avoir longtemps refusé, s'emparent de la question. Des films de grands cinéastes populaires qui passent, des chaînes de télévision qui se mettent à en parler. Toute une série de débats s'ouvraient, de problématiques s'ouvraient, où les immigrés, au lieu d'être en position de subordonnés, de loyal serviteurs ou de cibles, devenaient accusateurs, devenaient citoyens, demandant des comptes, et revendiquant et accusant la République par rapport à ses défaillances. Et je crois que ça a été littéralement insupportable et que l'opération, d'une part l'opération Ni pute ni soumise, que moi j'appelle appareil idéologique d'État, au sens où c'est pas simplement, comme SOS Racisme a pu l'être, une structure inféodée au PS, mais aussi bien la droite que la gauche s'y sont retrouvées tout de suite, parce que autour du discours de Ni pute ni soumise, puis au cours de ce débat empoisonné autour du voile, ce qui s'est fait, c'est qu'on a remis les bougnoules à leur place. À la commission Stasi, on a daigné me recevoir 15 jours après la fin des dernières auditions pour simplement écouter mon point de vue et m'expliquer finalement qu'il y a des femmes qui veulent être soignées par des femmes, qu'effectivement, paraît-il qu'on cautionne la lapidation, que paraît-il la mise à mort, c'est le fait des musulmans. Il n'y a pas de mise à mort aux États-Unis. On n'a pas guillotiné les gens depuis jusqu'en 80 ici en France. C'est pas grave. Quand c'est la question de l'islam, c'est forcément des mises à mort. C'est tout ce qui est de l'ordre qui relève de la sauvagerie est propre aux musulmans. Parce qu'en Occident, on tue les gens, mais de manière très polie, très propre. C'est tout. Il n'y a pas de sang. Alors c'est propre.
Donc la mise à mort violente et sauvage, c'est réservé aux Arabes, aux Noirs, à toute cette population indigène. Donc pour moi, on revient au discours néocolonial, avec que ce soit cette commission Stasi qui n'est autre qu'une caution politique, un débat qui n'a pas eu lieu. Il fallait bien excuser qu'à un moment donné, on ne fait pas de démocratie dans une démocratie. Donc on invente des débats avec un président qui a quand même d'emblée donné son avis avant que les conclusions soient rendues, un parlement qui a déjà remis un rapport et un président qui nous fait des leçons en Tunisie dans une école française, nous expliquant que les musulmans doivent comprendre que le foulard gêne les Français. Et quand c'est des Français qui portent le foulard, il faudrait peut-être poser la question à M. Chirac. Ça renvoie encore, ça nous renvoie à une condition d'immigrés. Parce que c'est de là qu'on veut nous laisser. Et quand nous, on explique que justement, les problèmes fondamentaux, c'est des problèmes sociaux, on nous dit, vous voulez jouer les gauchistes maintenant. Comme si, là aussi, on n'avait pas aussi, nous, on devait simplement aller chercher l'argent chez l'assistance sociale. Ou aller manger le couscous de l'amitié, ou d'aller manger chez Coluche. Nous, on ne peut pas être de ceux qui proposent, de ceux qui donnent, de ceux qui renforcent. Nous, on est forcément ceux du côté de ceux qui attendent des conclusions d'un débat et qui espèrent qu'ils auront une miette dedans, quoi. J'aimerais dire quelques mots par rapport à l'histoire de France. Donc, j'aimerais rappeler à la France que les Sikhs ont combattu lors des deux guerres mondiales, qu'il y a plus de 100 000 Sikhs qui sont morts ici en France avec leur turban. On part d'une société dans laquelle les politiques gouvernementales depuis 20 ans cassent tous les acquis sociaux. Dans une société qui est en voie de précarisation généralisée, en voie de flexibilisation généralisée, la pauvreté s'étend dans ce pays à un rythme comme nous n'avons jamais connu. Parmi les premiers touchés, vous avez non pas les jeunes issus de l'immigration, il faut qu'on abandonne ce terme, nous avons les jeunes issus de la colonisation, parce que c'est comme ça qu'on nous regarde. En réalité, le débat sur le foulard n'est qu'une pression idéologique pour que nous rentrions dans l'invisibilité parce qu'ils savent que leurs politiques vont nous amener à réagir, à nous battre pour nos droits avec nos amis qui sont français depuis X générations, comme nous, nous sommes français depuis peu. Nous devons affirmer très clairement qu'on n'émancipe jamais quelqu'un malgré lui. On ne libère pas quelqu'un malgré lui. Quand quelqu'un s'émancipe, c'est parce qu'il l'a décidé et qu'il entre en lutte. Secondo, il faut affirmer haut et fort, et ça va être difficile pour nous. La campagne est forte, ça va être difficile, et nous avons vraiment besoin de nous unir, toute origine confondue, que le droit de ne pas porter le voile, et c'est un vrai droit, et je me bats pour que les filles aient le droit de ne pas le porter, qu'on ne les contraigne pas de le porter, suppose le droit de pouvoir le porter pour celles qui le désirent. Troisièmement, il faut que nous refusions d'entrer dans l'invisibilité. Nos parents étaient invisibles et ils étaient bien contents, les dominants de ce pays, d'avoir des parents invisibles. Il faut que nous cessions d'être des objets parlés et que plus que jamais, nous resterons des sujets parlants. Peut-être sur
sortira bien, c'est d'abord parce que j'essaie moi-même de m'en convaincre. J'espère que vous viendrez.